La France, notre pays, a été, est toujours et restera toujours une grande puissance agricole. Pourquoi ? D'abord parce que, je veux dire, la géographie fait comme ça. Il se trouve que nous sommes dans un climat tempéré, que nous avons moins de gel des terres ou de terres recouvertes par la neige qu'en Finlande, en Norvège, en Suède ou même au Danemark, que nous avons plus d'eau qu'en Espagne, en Italie du Sud ou en Grèce, et que nous avons des plaines alluviales fertiles. Donc la géographie a joué un rôle et continue à jouer un rôle majeur dans le fait que nous soyons une grande nation agricole. Mais c'est économique aussi, puisque nous avons une réalité économique dont on parlera dans la soirée, j'essaierai d'en dire un mot tout à l'heure, et que l'agriculture pèse dans l'économie de notre pays d'une manière très forte. C'est le fruit de l'histoire et de la géographie, si je veux dire. C'est aussi psychologique, puisqu'il n'y a pas une famille de France, il n'y a pas une famille ici représentée qui n'est encore aujourd'hui, où n'es-tu, des frères, des sœurs, des parents ou des grands-parents agriculteurs, et pas seulement dans le monde rural. Tous ceux qui sont partis à la ville ont gardé leurs attaches rurales, et la France a ses racines et qui sont psychologiquement très fortes. Et puis c'est culturel. Et donc je voudrais vous dire un mot pour moi, une des grandes intellectuelles bretonnes encore contemporaines, pour qui j'ai une immense admiration, qui s'appelle Mona Ozouf, qui a écrit tellement d'ouvrages, et notamment ce magnifique ouvrage qui s'appelle La composition française. Et Mona Ozouf, récemment, je ne sais pas si c'est dans son dernier livre, qui lui est consacré d'ailleurs autour d'une table ronde de philosophes et d'historiens, parce que Mona Ozouf, on la connaît comme historienne, en fait, elle est philosophe de formation, elle est agrégée de philosophie, reconvertie dans l'histoire. Et je ne sais pas si c'est dans cet ouvrage-là ou dans un texte qu'elle fait pour le nouveau mensuel qui s'appelle Zadig. Elle dit à propos du sentiment national de notre pays qu'il est constitué de trois apports. Un apport féminin, elle dit, il n'y a pas beaucoup de nations développées où les femmes ont joué un tel rôle. Un apport littéraire, c'est une femme de culture, et que la littérature française est au cœur de notre identité et notre sentiment national. Et elle dit, nous sommes un pays terrien. Nous sommes un pays terrien. Donc, féminin, littéraire et terrien. Voilà comment elle définit le sentiment national. Et elle prend cet exemple qui m'amuse, parce que je l'ai vécu de près, du 10 mai 81, quand la gauche gagne les élections présidentielles, là, l'élection présidentielle et législative, et que travaille sur la cérémonie de prise de pouvoir de François Mitterrand. Donc, on doit être la victoire, c'est le 10 mai, et la prise de pouvoir, ça doit être le 21 mai. Et il paraîtrait, pourtant j'en faisais partie, mais je ne l'ai pas entendu, mais qu'un collaborateur putatif de Mitterrand, je vois qui ça peut être, lui aurait proposé, lors de sa montée vers le Panthéon, de planter des arbres de la liberté. Et Mitterrand avait répondu, on ne plante pas des arbres au mois de mai. Et chacun sait effectivement, ici, qu'il y a un moment où on plante les arbres, c'est à la Sainte-Catherine, bien sûr, où tout arbre prend racine. Et Mona Ozouf ajoute et dit, probablement, des présidents terriens comme celui-là, il n'y en a plus beaucoup, sans doute Chirac, par ses racines corréziennes, devait savoir ça. Après, Sarkozy, Hollande, Macron ne doivent pas savoir ça. Je ne fais pas de politique, hein. je répète ce que dit Mona Ozouf, puis en plus j'ai le rosé de tous les côtés, comme ça je suis à l'aise. Eh bien, ce côté terrien fait partie complètement de notre sentiment national. J'avais un plaisir à rappeler ça en introduction. Et puis, ma deuxième conviction, je le disais tout à l'heure, un agriculteur qui était au début à l'entrée de la salle, un éleveur laitier avec qui j'ai déjà eu plaisir à échanger, ma conviction profonde, compte tenu de cette histoire, compte tenu de cette géographie, compte tenu de cette culture, compte tenu de ces liens psychologiques, ma deuxième conviction profonde, c'est que les agriculteurs français, et peut-être même particulièrement les agriculteurs bretons, sauront toujours s'adapter aux nouvelles donnes. Les agriculteurs bretons, ils ont été toujours en pointe dans les adaptations, parfois au prix de changement de braquet ou de changement de direction rapide et brutaux. Mais il y a chez les agriculteurs français et chez... Alors, parfois en râlant, hein, parfois même en râlant, en
manifestant, en brûlant des sous-préfectures, et enfin même en bloquant le pont de Morlaix, plus souvent qu'à leur tour. Mais les agriculteurs français en général, par rapport à beaucoup d'agriculteurs européens, et les agriculteurs bretons en particulier, compte tenu de cette histoire et de ces liens, en particulier de notre pays avec son agriculture, seront toujours en capacité de s'adapter. Et ça, c'est, vous retrouverez ça à la fin de mon exposé, ce qui me rend profondément confiant. Alors, l'Europe, c'était à toi l'industrie, à moi l'agriculture. C'est à toi l'Allemagne l'industrie, à moi, vous avez compris, bien sûr. Et malheureusement, ça a été un peu trop vrai, et quand on arrive au bout de ce pacte, si j'ose dire, les Allemands arrivent mieux à nous rattraper dans le domaine agricole que nous n'arrivons à le faire dans le domaine industriel. Mais faire ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est aussi comme ça que se fait, et ça se fait après l'idée de faire la paix. On nourrit la paix avec des politiques communes, charmant ainsi l'agriculture, et on fait un modèle agricole qui est très... À l'époque, il y a que 6 pays, qui sont les 6 pays originels, Benelux, l'Italie, l'Allemagne et la France. Et à l'époque, à toi l'Allemagne, l'industrie, à moi l'agriculture, la France... Ça débute comme ça réellement. Et nous allons, sur ces bases-là, être les très grands bénéficiaires de la PAC pendant les années glorieuses de la politique agricole commune. Troisième élément, ce modèle original et originel de la politique agricole commune est fondé sur un mandat, une commande que les Européens, que les dirigeants européens passent à leurs agriculteurs. Et le mandat que les dirigeants européens passent aux agriculteurs européens, c'est produisez. Produisez beaucoup pour nourrir l'Europe en reconstruction et produisez à bas prix. Scholz avait commencé à prévoir en disant, lui, il était malthusien, en disant, il faut réduire massivement le nombre d'hectares exploités en France et en Europe. Voilà. Et puis, bon, tout ça arrive à la réforme de 92. À l'initiative de l'ensemble des gouvernements et d'un commissaire qui s'appelait McSherry, et qui décide une réforme de la PAC avec, au fond, deux types de mesures pour éliminer les stocks. On a deux solutions. Ou on baisse les prix pour atteindre les prix du marché, et on va compenser ça par des aides directes. C'est l'apparition des aides directes aux agriculteurs pour compensation des baisses de prix, ou bien, pour limiter les productions, on va réguler ces productions, et c'est l'apparition des quotas laitiers. Quotas laitiers, qui m'ont valu, j'étais déjà un peu dans la politique, qui m'ont valu le charme absolu de me heurter à des producteurs laitiers, pas ici, ils sont bien trop intelligents, mais dans mon sud-ouest, mené par la FNSEA, qui disait non, quota laitier, vous allez bureaucratiser l'économie agricole et notre agriculture avec vos trucs bureaucratiques. Et puis les mêmes, 30 ans après, qui nous disent touchez pas à nos quotas laitiers. Les mêmes. Et comme je les connais bien, je les regarde droit dans les yeux et je leur dis que tu me fais marrer. Mais voilà. Donc on met en place les quotas laitiers. Et l'exemple des quotas laitiers, c'est en même temps qu'on met en place cette baisse des prix, notamment sur les céréales, sur le maïs, sur le tout, sur les blés, etc., avec ces aides directes qui vont peser considérablement dans le budget de la PAC, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, vous verrez, à la fin de mon exposé, on va y revenir autour de ces quotas, qui ces aides directes qui pèsent dont le mode de distribution est un sujet, pour moi, essentiel quant à l'avenir de l'agriculture européenne. Et depuis 20 ans, depuis 90, un peu au-delà, l'Europe est un espèce de bras de fer permanent entre les libéraux, car l'Europe est libérale, vous l'avez deviné, vous l'avez peut-être vu, pourquoi ? Parce que l'essentiel des gouvernements européens élus par l'époque sont libéraux, et que ceux qui sont plus régulateurs ou interventionnistes en matière de marché sont minoritaires en Europe. Ce combat-là est un combat pour l'instant perdu, en tout cas assez systématiquement perdu depuis une vingtaine d'années. Et donc, moi, je me souviens, mise à lecture, on a encore repoussé l'échéance de quelques années en me battant bec et ongles contre la suppression des quotas, mais j'ai été le dernier ministre de l'agriculture français à pouvoir le faire.
enfin, moi, à mon bilan, je sais pas, moi, cet échec terrible, mais je n'en tire pas plus de gloriole même que ça, mais la force des libéraux en Europe est telle que tout ce qui est régulation des marchés était systématiquement combattu et détruit. Si vous prenez les grands postes d'intervention de la PAC, il y avait quatre postes, les aides directes, le développement rural qui n'existait pas au début, qui est venu après, j'en parlerai un mot tout à l'heure, les aides à l'exportation et la régulation des marchés, le soutien au marché, les aides à l'exportation ont cessé de baisser pour finalement disparaître. Les aides au soutien des marchés et à la régulation des marchés se sont maintenues puis baissent encore quelques pourcents, mais baissent considérablement. Les aides directes ont gonflé au début, puis se maintiennent. Ce qui se développe, c'est heureusement, c'est le développement rural. Et donc, il y a, à cause de la pression libérale, il n'y a plus d'aide aux exportations du tout, et il n'y a plus de moins en moins, quasiment plus, de soutien au marché et de régulation des marchés. Et puis, en dehors de cette grande force politique qui sont les libéraux et qui détruisent tout ce qui peut être instrument de gestion des marchés, de régulation, d'intervention au public, eh bien, il y a une force qui s'exprime et qui, dont on va retrouver tout au long de la soirée, qui est ce que j'appelle la force du produire mieux. C'est-à-dire qu'au fond, petit à petit, dans les opinions européennes, chez les agriculteurs et chez un certain nombre de dirigeants et de politiques européens, c'est dit, et dans la société tout entière, j'y reviendrai aussi, c'est commencer à apparaître l'idée que il ne faut pas seulement produire plus, mais il faut aussi produire mieux, et que de nouvelles pratiques agricoles, agronomiques doivent être encouragées, sans forcément revenir aux pratiques de grand-papa, mais qu'on doit prendre garde à nos sols, à la sécurité alimentaire, etc., à la qualité de nos produits. Et ce produire mieux a trouvé sa traduction dans la politique agricole commune en 1999 à travers la création de ce fameux deuxième pilier de la PAC qu'on appelle le développement rural. C'est-à-dire, au fond, l'idée que, et là j'étais dans cette négociation et j'ai vraiment plaidé pour ça avec beaucoup de passion et vraiment j'étais très fier de la création de ce développement rural en 1999, l'idée qu'il faut aussi que, en dehors des aides directes aux agriculteurs, l'Europe ait une approche territoriale et environnementale qui permettent d'inscrire les exploitations dans leur environnement. Les agriculteurs vivent par définition dans le monde rural et la ruralité, elle a besoin, cette ruralité, de ne pas aider les agriculteurs seulement à produire quantitativement. Elle a besoin de les aider à s'inscrire dans leur ruralité, à s'inscrire dans un territoire. Et ce deuxième pilier a commencé à financer ça et toutes les mesures environnementales, je ne sais plus si on dit agro ou agri, j'ai perdu mon fil, se sont inscrites dans ce fil-là et étaient un vrai progrès. Il n'empêche que, à propos des aides de la PAC et de cet argent déversé, j'ai quelques réflexions. La première, c'est que ces aides ont toujours été et restent encore, malgré ces progrès, très inégalitairement réparti. Quand j'étais ministre, on disait 80% des aides qui bénéficiaient à 20% des agriculteurs. 80% des aides qui bénéficiaient à 20% des agriculteurs les plus riches. Puisque ces aides étaient construites à des aides à la production. Plus tu produis, plus tu touches de primes. Et pour produire plus, ça a été des cas. Plus tu as d'hectares, plus tu produis, donc plus tu touches de primes. Et comme ça, les 20% des agriculteurs raflaient 80% des primes. J'ai mis en œuvre, on en parlera tout à l'heure, de la modulation des aides, c'est-à-dire on dit, on va raboter pour redistribuer, on va essayer de le redistribuer intelligemment. Évidemment, quand la droite est revenue au pouvoir, le FNSEA, qui était furieuse, l'a fait revenir sur cette décision du jour au lendemain. Mais ça reste encore très inégalitaire, malgré le découplage, malgré la règle intelligente qui a mis en place le FOL sur les 50 premiers hectares, malgré tout ça. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti au mois de janvier dernier, qui est extrêmement sévère sur la manière de distribuer les aides européennes aux agriculteurs, et qui dit que si elle prend les 10% des agriculteurs qui touchent des primes les plus pauvres,
touchent une moyenne de 120 euros à l'hectare, quand les plus riches touchent 375 euros à l'hectare. Donc c'est-à-dire de 1 à 4 dans la distribution des aides. Alors que c'est justement ceux qui sont les plus pauvres qui en ont le plus besoin. Et donc il reste un problème, il reste fondamentalement un problème qui, même s'il a évolué dans le bon sens, reste un problème inégalitaire très fort. La deuxième réflexion que je voulais faire, c'est que je ne l'ai jamais dit publiquement ça quand j'étais ministre, parce que sans doute je n'étais pas assez courageux. Mais rétrospectivement, quand on se souvient de la création de ces aides, des aides directes, on les a mis en place en 92. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, pour compenser les baisses de prix, pour que les prix européens rejoignent le prix mondial. Et on a dit, notamment aux céréaliers, aux bovins, etc., on va vous compenser aux baisses de prix en vous donnant des aides directes, la différence. On leur a pas dit, on va vous compenser éternellement cette baisse de prix. On leur a pas dit, mais on aurait dû le dire d'ailleurs, que ce ne serait pas éternel. Sauf que, ça le devient. Car il y a un phénomène qui joue beaucoup c'est le phénomène ne touche pas ma prime PAC. Et là, la FNSA est super balèze. Hein. Touche pas ma prime PAC. C'est-à-dire qu'on peut discuter ce que tu veux, mais d'abord, on ne touche pas ma prime PAC. Parce que c'est constitutif de mon revenu. Donc ce phénomène ne touche pas la prime PAC est un phénomène qui empêche, j'étais très conservateur, et empêche les évolutions, notamment les évolutions égalitaires. Et puis, dernière réflexion que je vous livre, vous savez, parce que vous êtes un territoire agricole, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui touchent aucune aide directe. Hein. Beaucoup. Les producteurs de fruits et légumes, les maraîchers, les éleveurs de volailles, etc. Il y en a beaucoup qui ne touchent pas d'aide directe. Et donc, il ne faut pas croire que toute l'agriculture française et européenne est subventionnée. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont exempts, et peut-être aussi on pourrait... à travers des organisations communes de marché, réfléchir un peu plus à cela aussi. Quatrième question qui m'était posée, où j'avance, quel est le poids économique des exportations agricoles et de l'industrie agroalimentaire dans le pays ? Considérable. Le solde commercial de l'agroalimentaire français est de 10 milliards d'euros, grosso modo 10 milliards d'euros. Il se maintient, il y a eu un ou deux accidents, mais il se maintient et même progresse plutôt régulièrement depuis une quarantaine d'années, alors que, par exemple, le solde de l'industrie civile baisse depuis 20 ans. Donc on est de plus en plus exportateurs, même si c'est très lentement en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, alors que l'industrie baisse. L'énergie baissait beaucoup, elle remonte maintenant, mais c'est encore loin derrière l'agroalimentaire. Et dans ces exportations, il faut distinguer les produits transformés des produits bruts. C'est les produits transformés, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire qui, sur les 10 milliards, en procure 8 milliards d'excédents. Parce qu'on doit exporter environ 45 milliards de produits transformés et en importer 37, donc 8 milliards d'excédents. Et les deux autres qui manquent, c'est les produits les produits bruts, c'est-à-dire les productions agricoles, où on a 2 milliards d'excédents. Ça doit être, oui, c'est ça, 15 milliards d'exportation et 13 milliards d'importation. Oui, c'est quand même très, très important aussi dans l'économie française. Et pour votre information, les secteurs qui sont très rémunérés, les quatre secteurs qui sont les plus exportateurs de loin, les boissons, vin et alcool, le vin, les alcools français. Ouais, il faut dire qu'il y a des vins de Bordeaux, de Bourgogne d'ailleurs, qui sont vendus à des prix exorbitants, la valeur commerciale de nos vins, de nos productions. Sont très importantes. En deux, les céréales. Nous vendons du blé un peu partout dans le monde. En trois, ça dépend des années, en trois et en quatre, le lait, les produits laitiers et ou la viande. Voilà les quatre secteurs qui sont nettement exportateurs en France. Donc, je vous ai donné ces quelques chiffres pour vous donner quelques éléments qui montrent que c'est une richesse majeure pour l'économie française et qui ne se dément pas, même si elle rencontre un certain nombre de difficultés. Et donc, le mandat, si on sent que notre raison, notre réflexion, notre rationalité nous pousse à dire « bah oui, il faut aller vers de la qualité, de la qualité, de la qualité », il y a encore beaucoup de ménagères ou de ménages qui ne disent pas ou doivent, mais qui demandent des produits très bon marché. Et donc, nous avons besoin d'avoir...
d'éclaircir notre mandat, et l'Europe n'a pas encore éclairci clairement son mandat à l'égard des le nouveau mandat qu'elle doit donner 50 ou 60 ans après à ses agriculteurs. Et deuxièmement, j'ai une conviction professionnelle ou politico-professionnelle, pas en tant que Jean de Lavanie, mais en tant qu'observateur des professionnels de l'agriculture. Quel est le mandat que les agriculteurs de France et d'Europe sont prêts à entendre? Alors les agriculteurs, ça m'amène à vous dire quelque chose que je ressens comme une conviction très très profonde. Ben, je ne sais pas bien ce que c'est que les agriculteurs, parce que moi je connais des agriculteurs. Et que je connais des agriculteurs en France qui se battent sur les marchés internationaux devant leur ordinateur pour vendre leurs céréales par dizaines de tonnes aux États-Unis, un marché boursier, des bourses de céréales, et qui se battent sur les marchés internationaux. Puis je connais des agriculteurs, il y en a encore sans doute sûrement dans le centre de la Bretagne ou dans mon sud-ouest à moi, qui se battent pour boucler leur fin de mois et qui arrivent pas toujours. Ce sont pas les mêmes agriculteurs. J'en connais qui font de la polyculture élevage, d'autres qui sont dans des exploitations de plusieurs milliers d'hectares avec des batteries de tracteurs avec zéro endettement, quand d'autres sont endettés jusqu'au cou. C'est pas les mêmes agriculteurs. Ils n'attendent pas vraiment le même mandat de la société les uns et les autres. Je pense qu'une des grandes difficultés, et peut-être même un des grands échecs des politiques, ou de certains politiques, parce que non, c'est comme la politique, faut pas faire comme les agriculteurs, il ne faut pas faire d'amalgame, c'est de ne pas avoir suffisamment différencié dans leur approche politique de l'agriculture, les agriculteurs dans leur diversité. Et il y a un responsable de ça, c'est... faut le dire, parce que même si je le dis juste comme observateur, comme acteur politique, la FNSEA joue un rôle majeur dans ça, parce que la FNSEA a une espèce de vocation presque totalitaire à dire « les agriculteurs, c'est moi ». C'est moi qui les représente. Et au-delà de ce que je pense, point de salut, si j'ose dire. Or, comme il y a beaucoup d'élus qui sont aux ordres de la FNSEA, j'en ai connu. J'en ai connu, surtout en face, mais j'en ai connu. Et que, en particulier, la FNSEA, elle n'est pas dirigée par des agriculteurs de petites exploitations de 20 ou 30 hectares de centre-Bretagne ou du sud-ouest, qui font de la politique. Elle est financée essentiellement par les gros céréaliers des bassins parisiens. Et donc, elle est sur des. Et elle est redevable. Alors, vous savez, une vieille règle politique publique qu'on connaît bien, qui paye commande. Et c'est les grands céréaliers qui financent la FNSEA, donc ceux qui déterminent la ligne de la FNSEA. Et la FNSEA, elle n'est pas prête à entendre n'importe quel message sur l'évolution. Elle est très conservatrice, pour dire les choses très clairement. Elle est très conservatrice. Et donc l'évolution du message que la société doit donner est aussi dépendante de l'évolution du message que des agriculteurs représentés par cette organisation sont prêts à entendre. Et ça, c'est pas gagné non plus. Mais je vais finir ma conviction personnelle, parce qu'il faut que j'avance quand même dans mon exposé, puisque je vous ai fait deux considérations très politiques et sur politico-sociétales et politico-professionnelles, par une conviction profonde que j'ai ressentie dans ma vie d'élu local et dans ma vie de ministre de l'Agriculture, c'est qu'au fond, malgré tout, partout à travers la France, quelles que soient les productions, quelles que soient les régions, il y a deux recettes qui marchent toujours. C'est la qualité et l'organisation collective. Et que je ne connais pas d'exemple où des agriculteurs aient recherché la qualité dans une organisation collective et aient échoué. Je connais des agriculteurs qui ont réussi parfois tout seuls. C'est de moins en moins vrai, de moins en moins facile. Je connais des agriculteurs qui ont réussi sans faire trop de qualité, c'est de moins en moins vrai, de moins en moins facile, Mais j'ai toujours vu que ceux qui faisaient les deux, c'est-à-dire la qualité et l'organisation collective, ils arrivaient à s'en sortir, et souvent ils y arrivaient très bien. Je prends un exemple, pour que je vous parle un peu de mon sud-ouest, parce que sinon, il y a 30 ans, il y avait une race de cochons qui s'appelait le Noir de Bigorre, vous en avez peut-être entendu parler. Dans les années... fin des années 80, il restait un cochon noir de Bigorre, il restait deux véras et peut-être deux ou trois reproductrices.
et un ou deux agriculteurs qui faisaient ça. Et puis, il y a eu une bande d'illuminés, enfin, un technicien agricole de la chambre d'agriculture, et puis un de ces agriculteurs, ils ont décidé de faire revivre cette trace. Aujourd'hui, le noir de Bigorre, c'est 65 producteurs, c'est 17 000 jambons livrés sur le marché tous les ans, c'est 120 emplois, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ça monte de 10% tous les ans, 10 ou 15%. Et parce que c'est un marché de qualité, et d'organisation de qualité, en cas de fluctuation des cours du porc, c'est bien placé en Bretagne pour savoir que le porc, c'est la production agricole la plus fluctuante qui soit, sur laquelle on n'a jamais pu faire une organisation de marché parce que ils ont toujours refusé, les producteurs de porc, de faire une interprofession digne de ce nom qui pourrait organiser une régulation du marché. Sans doute parce qu'ils crient beaucoup quand ça perd beaucoup d'argent, mais ils disent rien quand ça en gagne beaucoup. Et qu'il y a beaucoup d'investissements, là je vais me faire lyncher, mais d'investissements immobiliers du côté de Saint-Brieuc ou de ça, qui sont réalisés, ou Saint-Malo d'ailleurs, qui sont réalisés par des agriculteurs. Et puis voilà, puis il y avait un gouvernement Gourvennec qui ne voulait pas qu'on régule le marché, donc ça ne s'est jamais fait. Mais eux, dans le noir de Bigorre, quand le marché est au plus bas, leur marque du porc, leur noir de Bigorre, ça ne bouge pas d'un centime. C'est un marché de qualité. Et que voilà. Et donc ça veut dire que quand cet exemple-là que j'ai à cœur, parce que je le connais bien, que c'est mes amis, que je les ai beaucoup aidés, que je crois que ça correspond à une production, c'est des élevages de plein air, où les porcs sont en pleine nature, bouffent du gland, et uniquement du gland, et des aliments naturels. On est en train de travailler sur des projets de reforestation en châtaigneraie, des choses de l'agro-environnemental pur, si j'ose dire. Donc cette production intelligente, bah, elle se développe tranquillement, mais sûrement, et avec des vraies plus-values et de vraies rémunérations pour les agriculteurs. Donc c'est une troisième conviction qui est agro, comment dire, qui est micro-économique, mais qui est que voilà, il y a le mandat sociétal, il y a le mandat que les professionnels sont prêts à entendre, et puis il y a des réalités micro-économiques qui marchent toujours et qui marchent, à mon avis, et marcheront encore longtemps. D'après les chiffres qu'on m'avait donnés, que j'ai gardés dans mes archives, le taux de suicide chez les agriculteurs français est de 20% supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est une réalité. Et que ce taux de suicide chez les agriculteurs fait qu'il y a environ un suicide d'un agriculteur presque tous les deux jours en France, dans le pays, c'est quand même considérable. Et j'ai même lu des vous savez qu'il y a un observatoire national des suicides en France qui a été créé par une loi il y a une trentaine d'années, regardé ça de près, qui montre que ces chiffres n'ont pas singulièrement évolué depuis 40 ans, mais que ça ne baisse pas. Et les travaux faits à la fois par l'Observatoire national des suicides en France et la MSA, la Mutualité sociale agricole, montrent qu'il y a des facteurs de comparaison qui sont assez spectaculaires. Par exemple, on se suicide plus chez les agriculteurs en Bretagne que dans le Languedoc. On se suicide plus, évidemment, chez les petits agriculteurs endettés que chez les gros agriculteurs riches. Pas une découverte, mais enfin bon, c'est prouvé par les statistiques. On se suicide plus chez les célibataires ou les divorcés que chez les mariés pères de famille. C'est pas une découverte, mais enfin, c'est des facteurs comme ça. Mais avec un phénomène qui est accentué dans les crises et qu'on se suicide plus chez les producteurs laitiers après une baisse considérable du prix du lait. Donc c'est un phénomène qui est regardé de près, suivi de près, qui est lié aux difficultés économiques, évidemment, économiques et sociales d'un certain nombre d'agriculteurs. Ma conviction, je vous le dis, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas encore assez étudié, qui n'est pas encore assez traité, malgré, évidemment, de l'embryon de cette collaboration entre l'Observatoire des suicides et la MSA. C'est un sujet qui, à mon sens, mériterait d'être regardé de plus près. Et je finis par une question qui était la question, mais je finis, j'ai encore du temps, hein, sur la question de l'écologie. Comment faire évoluer le modèle agricole aujourd'hui face à la demande des consommateurs? Là, je vous ai mis tout à l'heure en garde sur cette la demande, hein, sur l'idée de la demande. Il y a des consommateurs qui demandent des batteries, voilà. Qui, je dis pas se foutent, c'est pas vrai, mais les gars, auxquels on a un devoir en termes de responsables politiques et citoyens même,
C'est puisqu'ils ne peuvent pas se payer autre chose que du bas prix, il faut qu'ils aient, pour ce bas prix, quand même une qualité minimum, mais une bonne qualité, une sécurité alimentaire assurée. Et c'est une difficulté, mais c'est la moindre des choses. Et donc, on ne puisse pas dire, bah, voilà, puisque vous n'êtes pas prêt à mettre le prix pour le bio, bah, tant pis pour vous, vous n'aurez pas la sécurité alimentaire à optimum. C'est une vraie difficulté. Il n'y a pas une demande. Simplement, je vous ai dit tout à l'heure que pour passer du toujours plus, du produire plus au toujours mieux, d'abord, il fallait savoir ce que ça voulait dire. Donc, je vous l'ai dit, pour moi, produire mieux, c'est mieux en termes de qualité des produits, en termes notamment de goût, en termes de qualité des pratiques, et en particulier des pratiques agronomiques, de la lutte contre l'appauvrissement agronomique des sols. Produire plus, produire mieux, c'est produire mieux en matière de gestion de l'eau. J'en dirai un mot dans un instant. C'est produire mieux en termes de sécurité alimentaire pour nous mettre à l'abri, dont l'épisode de la vache folle fondée sur les protéines animales, c'est-à-dire les farines animales, introduites dans la nourriture des bétails au nom d'une logique productiviste simple. Après tout, ben, ils ont besoin de protéines, on en a, il n'y a qu'à les... Ouais, mais en même temps, c'était un vecteur de propagation d'épidémies qui était considérable, et donc j'ai été ce ministre agriculteur qui a interdit les farines animales dans notre pays, décision collégiale prise par le gouvernement, avec le président de la République de l'époque, c'était un gouvernement de cohabitation, mais c'était aller dans le sens du produire mieux, me semble-t-il, en termes de sécurité alimentaire. C'est produire mieux aussi en termes d'emploi. C'est au fond, c'est important de lutter contre la déprise agricole et de lutter au contraire pour qu'il y ait de plus en plus d'emplois et qu'au fond... un agriculteur qui crée de l'emploi et qui embauche des salariés agricoles rend plus de services à la société que celui qui achète de plus en plus de machines pour éviter à avoir des employés, même si je ne mets pas les deux choses sur le même plan. Donc produire mieux en termes d'emploi me paraît aussi, comme le Premier ministre nous l'a rappelé récemment, comme nous sommes dans une période de chômage de masse, et pas indifférent que l'agriculture apporte son écho à se produire. Quand je suis ministre de l'Agriculture, je suis saisi par un centre d'élus et par une grande association qui s'appelle Eau et Rivières de Bretagne, c'est ça, qui me saisit de ce problème. Et comme je suis breton de cœur, il m'est arrivé d'épouser une Morbihanaise dans ma vie, et mon père était nantais, et ma famille était installée dans le Morbihan. Vraiment, ce drame qui détériorait ses puanteurs sur nos plages et tout ça me heurtait depuis longtemps. Et donc j'ai demandé au préfet de région, je suis venu, et j'ai demandé au préfet de région d'organiser une table ronde avec l'AFRSEA, c'est la Fédération Régionale des Syndicats des Fédérations Agricoles, la structure régionale de la FNSEA, et la Confédération Paysanne avec ces structures aussi qui étaient là, Eau et Rivières de Bretagne et d'autres associations, et j'ai dit au préfet, vous avez un an pour aboutir à un plan consensuel, et dans un an, on le met en œuvre. Ce préfet, c'était Claude Guéant. Il a remarquablement fait son travail, tant qu'il était préfet. Après, ça s'est gâté. Mais il a très bien fait son travail. C'est un bon préfet. Hein. Très bon ministre, épouvantable secrétaire général de l'Élysée, mais très bon du préfet. Il faut lui rendre l'hommage qu'il mérite quand même. Et donc, je suis revenu un an après, j'ai signé le contrat. Il s'est mis en œuvre. Ça a marché deux ans. On est en 2000, quoi. Le contrat est signé 2000-2001, un an et demi. On arrive à la FRSA, le dénonce, et puis en 2002, ils ont mis fin au truc. Mais c'est un recul incroyable, quoi, sur ordre de la FNSEA et du président de la République. Et c'est un drame pour la Bretagne. Alors, depuis, je sais que d'autres initiatives ont été prises, mais enfin, le problème est loin d'être réglé, vous savez bien. Mais quand on est arrivé par un travail de fond avec l'ensemble des partenaires, politiques, sociaux, professionnels, associatifs, les réseaux d'associations de Eau et Rivières de Bretagne, un magnifique réseau de militants associatifs extrêmement dévoués, compétents, attachés à leur région, etc. Ils n'étaient pas des, j'allais dire, dangereux gauchistes qui voulaient mettre le feu partout et revenir à l'âge de Cro-Magnon. Ils voulaient juste qu'on retrouve des pratiques intelligentes pour reconquérir la qualité de l'eau dans les rivières en Bretagne. Tout ça, ça a été
un très beau travail a été foutu en l'air sur un ordre politique. C'est dramatique, quoi. Ça veut dire que le mandat sociétal n'avait pas été bien exprimé, si je veux dire, on a cru qu'il était exprimé, mais il n'avait pas été bien. Que les politiques ont plus été courageux à un moment, et que l'organisation provisoire était pire que conservatrice, elle était rétrograde. Rétrograde. Et quand vous voyez qu'à travers ces deux exemples, celui des CTE et celui de Haute-Rivière de Bretagne, on touche du doigt, y compris pour votre région, parce que votre région a été assez exemplaire en matière de CTE. Je pense c'est-à-dire que c'est dans. Je me demande si c'est pas par ici que j'étais venu signer parmi les premiers CTE dans ce cœur de l'ensemble de. Comment ? Un mur de Bretagne. Oui, dans le centre de Bretagne. Ces pratiques qui ont particulièrement concerné votre région ont été dilapidées comme ça de manière politique incroyable. Alors, comme ça fait un peu plus d'une heure que je parle, je vais bientôt m'arrêter. Comme ça, on va pouvoir débattre maintenant, et c'est ça qui est le plus intéressant. Quelle conclusion tirer de ça ? Je voudrais tirer la conclusion, je lisais il y a peu de temps un article d'un haut fonctionnaire européen qui était d'origine espagnole, qui s'appelle Tomás García Azcárate. Ce haut fonctionnaire européen de nationalité européenne est venu au 22e controverse européenne de Marciac. Alors c'est quoi les controverses européennes que je vous raconte à Marciac ? C'est un petit village du Gers, dont vous entendez peut-être parler. C'est là qu'il y a un des plus grands festivals de jazz du monde. Et c'est à 10 km de chez moi. Et quand j'étais un peu plus élu local, encore que maintenant je suis presque pré-retraité, j'avais créé une structure de pays, comme il y en a beaucoup en Bretagne. Maryse Lebranchu avait beaucoup veillé quand elle était vice-présidente de la région et une politique de pays qui, je crois, se développe encore à travers les pôles territoriaux. Et donc il y avait un pays autour de mon village et de Marciac, qui étaient les deux principaux villages. Et comme président du pays, j'ai beaucoup soutenu ce festival. Et puis comme c'est un village très rural, il y a 1000 habitants à Marciac. Voilà un exemple de développement territorial extraordinaire. 1000 habitants, et il y a 120 000 personnes qui viennent au festival chaque année. Toutes les maisons sont louées, tous les hôtels sont pleins à 50 km à la ronde. Les gens viennent de la France et du monde entier pour venir à ce festival. Les agriculteurs couchent sous la tente pendant 3 semaines pour louer leur maison aux festivaliers. Enfin, c'est des sources de revenus considérables. C'est vraiment un vrai projet de développement économique rural autour de la culture qui plus est. C'est pas ça a sauvé le collège parce qu'ils ont fait une classe de musique de jazz au collège de Marciac et on vient de la France et même d'Europe entière pour apprendre le jazz dans ce collège, les jeunes. Et donc il y a un orchestre qui s'est là, puis après ils ont fait une salle de spectacle, parce que l'été c'est sous un immense chapiteau ou dans les arènes du village, mais l'hiver, alors ils ont fait une salle de spectacle de 600 ou 700 places dans ce petit village de 1000 habitants, une salle de spectacle de plusieurs centaines de places. Et ça c'est un vrai village de vacances au bord du lac, etc. C'est vraiment un projet de développement économique magnifique. Et donc, comme c'est vrai, très rural, il y a quelques personnes intelligentes que je connais bien qui ont dit, bon, on va en profiter pour... que ces gens qui viennent du monde entier ou d'Europe, de France entière, ben, qui viennent chez nous, dans ce monde rural très profond, Marciac c'est très... alors il y a le vignoble du Madiran qui est là, qui arrive jusqu'à Marciac, il y a des vignobles qui arrivent jusqu'à Marciac, mais sinon c'est monoculture maïs, quoi, très, très puissante si j'ose dire, très prégnante. Et on va aller les amener, c'est-à-dire on va les inviter à réfléchir au rural avec nous. Et ils ont créé cette espèce de rencontre rurale qui s'appelle les controverses européennes. Et ils invitent comme ça des... Voilà, c'est public, donc les gens qui font festivalier viennent parler d'agriculture, de ruralité. Et ils invitent des personnalités, dont ce grand haut fonctionnaire européen espagnol qui s'appelle Azcárate, qui disait « La transition écologique sera organisée ou subie ». Ça veut dire que, au fond, la conviction de cet homme et de beaucoup de dirigeants politiques, et sans doute la vôtre aussi, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui est inéluctable dans ce virage, que la société, que la planète, que les citoyens du monde doivent prendre. On va prendre ce virage, on commence à le prendre timidement, très timidement, mais il a quelque chose d'inéluctable, d'inexorable, c'est tant mieux. Mais... il peut y avoir le pire des virages possibles et le meilleur des virages possibles. Le meilleur, c'est celui qui est organisé. Organisé par la raison, par la rationalité, par le raisonnement,
par l'échange, par la démocratie, par la participation des citoyens, par la construction d'un message sociétal clair à l'égard des agriculteurs. Ça peut être organisé. Si c'est subi, alors ça peut être la pire des choses. Je vous le dis comme je le pense. Je ne veux pas revenir mais si, pourquoi pas dire Pétain, quoi. La terre, ça ne ment pas. Ça peut revenir à des choses comme ça, où on verra apparaître ce qu'on voit déjà apparaître dans certaines prises de position, comme quoi la nature serait bonne par nature et l'homme mauvais. La nature est bonne et l'homme mauvais. Ça vient doucement. Et ça s'appuie sur une négation de la culture scientifique, qui par définition serait suspecte, et qui, avec une certaine forme de retour d'un obscurantisme, je le dis comme je le pense, hein, peut-être que je provoque là par mes propos, mais il faut faire attention à une certaine retour de l'obscurantisme, forme de religion, quoi, jusqu'au boutiste, de cette nature qui serait bonne et absolument bonne, par-dessus tout le reste. Ouais, c'est une forme d'absolutisme, de religion absolutiste. Et donc ça serait subi et ça serait très, à mon sens, très dangereux. Et donc je crois que le virage inexorable, il faut qu'il soit organisé par la participation citoyenne, par la démocratie, par le raisonnement, par la raison, et que à ce moment-là, l'écologie organisée peut être un grand progrès pour la civilisation et pour nos sociétés. Pardon d'avoir été un peu long, mais moins long que certains craignaient ou plus que certains l'espéraient, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Distribution, qu'est-ce que vous voulez? Oui, moi je suis très, très. Sur cette affaire de la grande distribution, je suis très dubitatif parce que je ne suis pas pour une économie dirigée. Donc je ne crois pas à la logique de « on fixe des prix », etc. Je ne suis pas non plus pour le libéralisme fou, je suis pour une économie de marché régulée. Mais comment réguler la grande distribution, ça, je n'ai toujours pas trouvé la recette. Et donc, empêcher l'exploitation, la surexploitation de certains labels, et en particulier du bio, parce que vous avez fait, me paraît un vœu pieux, quoi. Je comprends bien, mais... Que toutes les réglementations du monde n'ont jamais réussi à régler ce problème. Ce qui réglera le problème, à mon avis, c'est, je ne dis pas la fin de la grande distribution, mais je pense que malgré tout, il y a un modèle de grande distribution qui est en train de s'essouffler et qui commence à battre de l'aile. Et que c'est peut-être ça la chance de l'agriculture, c'est qu'au fond, ça commence sérieusement à battre de l'aile dans la grande distribution. Peut-être que c'est essentiellement grâce au commerce en ligne, à cause du commerce en ligne ou grâce au commerce en ligne, mais il n'empêche qu'il y a aujourd'hui une vraie remise en cause de ce système. Quant à la mondialisation, faites attention parce que dans la mondialisation échevelée, un pays ou une agriculture, a fortiori un agriculteur ou même un groupement de producteurs, sera toujours moins fort qu'un ensemble de pays. Au fond, le fait que l'Europe avance unie dans les négociations commerciales, tant qu'elle y arrive, tant que Trump n'a pas réussi à diviser, il essaye. Hein. Et il essaye, quelques signes très inquiétants d'ailleurs de réussite. Mais tant que l'Europe reste un bloc de négociation, les 500 millions d'habitants européens, c'est un géant économique. Hein. Je donne un cours par ailleurs dans un institut à Paris, dont le titre est « Géant économique, mais nain politique ». Oui, c'est un nain politique l'Europe, mais c'est un géant économique. Et donc tant qu'on reste unis, soudés dans ces négociations... Alors on a une carte à jouer, on a une vraie carte à jouer pour peser dans les négociations internationales, quelles que soient les rodomontades ou les vulgarités de Trump, il a lui aussi des producteurs, hein, et il ne peut pas se permettre n'importe quoi, et il le sait d'ailleurs. J'ai l'impression que cet homme, il fait beaucoup de mouvements de bras, puis qu'à la dernière minute, il finit par se coucher comme il l'a fait avec la Corée du Nord. Donc peut-être qu'il le fera aussi sur les négociations. Il commence à le faire sur l'Iran aussi, alors qu'il avait quasiment déclaré la guerre. Donc, il y a un côté chez cet homme. Dans les négociations commerciales, il menace de faire des choses qui peuvent être très dangereuses pour l'économie européenne et pour son agriculture notamment. Mais c'est pas sûr que si on reste bien soudés, l'Europe peut être une vraie défense pour les agriculteurs européens. Pour le coup, sur ces négociations, je suis... très optimiste sur l'efficacité européenne.
quand j'ai fait mon doctorat, je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard. Donc, je voulais être pilote de chasse quand j'ai commencé mes études, mais on m'a dit non, vous ne serez pas pilote de chasse, j'avais un problème à l'œil. Donc j'ai fait un doctorat en économie urbaine parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire plus tard. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, si j'ose dire. Qu'est-ce que je dis à un agriculteur qui vote Le Pen? D'abord, je lui tiens le même discours que qu'il soit agriculteur ou pas, s'il vote Le Pen. C'est-à-dire, au fond, j'essaie d'en appeler à la raison, justement, parce que le vote Le Pen est un vote. Tant qu'on ne. C'est alors un sujet politique qui, pour moi, aujourd'hui, tout de mes, si ce n'est ma principale inquiétude politique, je sens beaucoup de très mauvaises choses dans la tentation qui existe chez un parti majoritaire et le président de la République de résumer le débat politique entre lui et Le Pen, et Madame Le Pen. Je pense que cette manière de faire est au fond une manière de dérouler le tapis rouge un jour à Madame Le Pen. C'est pour moi porteur des pires choses, parce que ça veut dire que s'il échoue, si on dit qu'il n'y a rien d'autre que Le Pen et lui, et s'il échoue, alors les gens se sentiront libérés, quoi. Donc je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut traiter le problème. Le problème, c'est de savoir pourquoi les gens votent Le Pen et comment on y répond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où le vote Le Pen est maintenant repose sur un vote populaire, c'est-à-dire de classes défavorisées très massives, et pas seulement chez les agriculteurs, mais en particulier chez les agriculteurs, ça veut dire qu'il faut traiter les questions, les vraies questions, c'est-à-dire les vraies inégalités et les vraies zones et de pauvreté qui touchent un certain nombre de catégories sociales qui sinon votent Le Pen. Et ça n'a pas reculé d'un iota depuis 2 ans. Hein. Pas avant non plus, hein, mais ça ne fait que progresser lentement mais sûrement. Et donc la question centrale, c'est, en dehors du fait qu'il faut en appeler à la raison, parce que sortir de l'Europe, sortir de l'euro, quand on voit justement ce que je disais tout à l'heure, l'importance des aides que les agriculteurs touchent de l'Europe, c'est quelque chose d'irrationnel. Sortir de l'Europe, quand on voit les ravages de la mondialisation, si en plus on n'a pas le bloc de négociation et de protection que représente l'Europe, c'est d'une irrationalité absolue. Mais tout ça ne compte pas pour les agriculteurs qui votent Le Pen, parce qu'ils sont dans une révolte, si je veux dire, une colère qui est à la fois sociale, économique et sociale, parce qu'ils sont dans des zones de grande difficulté, puis d'une certaine manière identitaire aussi. C'est-à-dire, ils ne trouvent plus leur place dans la société, et ils trouvent que la société elle-même ne construit pas, comme on parlait tout à l'heure rapidement avec Madame le maire de ce sujet, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, 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 et qui, je pense, a perdu la gauche aussi ces 20 dernières années. C'est qu'au fond, il n'y a pas que la mondialisation et Internet, il y a aussi espèce de violence égoïste qui se multiplie, des violences gratuites, des incivilités, des ceci, de cela, qui fait que dans la société, pas seulement dans le monde rural, dans le monde urbain, si vous savez comme c'est bien pire encore, au fond c'est chacun pour soi, et plus personne ne recherche ce que peut être le commun en dehors d'une communauté. Mais on ne cherche pas, au fond... on est très différents les uns et les autres. Soit dans ça, il y a des hommes, il y a des femmes, des jeunes, des moins jeunes, il y a des agriculteurs, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y en a même qui ont des doctorats urbains, etc. Non, il y en a peut-être qui sont croyants ici, d'autres qui ne le sont pas, il y en a peut-être qui votent à droite, d'autres qui votent à gauche, etc. On est tous différents. Et puis en même temps, ce soir, on s'est dit, tiens, on va se retrouver dans cette salle de Le Renan pour parler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on, intuitivement, vous et moi, on a ressenti de commun, c'est-à-dire l'envie d'être ensemble et de parler de ce qui nous paraît être l'intérêt général, ou des formes d'intérêt général. Ben, ce commun-là, c'est ce qui fait la République. Et c'est quoi être français, c'est quoi être habitant de Le Renan, si on ne veut pas, on n'est pas capable de définir ce que c'est que d'être français, et d'y apporter sa contribution, de construire du commun. On déconstruit le commun en France depuis des années et des années. C'est un sujet sur lequel, je vous assure, je suis très sévère avec le président de la République précédent, pourtant que j'ai aidé à élire. Un sujet majeur pour moi. On déconstruit le commun et on laisse aller tous les communautarismes et tous les égoïsmes se répandre dans la société. Et donc je pense que, lisez un ouvrage que je travaille en ce moment depuis peu de temps, mais que je travaille parce que quelqu'un qui a fait beaucoup la une des journaux, c'est de Jérôme Fourquet sur l'archipel français, qui montre comment la France s'est disloquée. Qu'avant, il y avait, au siècle dernier, il y avait
le parti religieux et puis le parti républicain, puis après il y a eu la droite et la gauche, etc. Et maintenant, c'est disloqué. Eh bien, je pense que aussi chez ces agriculteurs et chez Votre Le Pen, il y a justement des gens qui souffrent de cette absence de commun et qui sont livrés à des vents mauvais parce que justement, ils ne se raccrochent pas. Et moi, je n'ai pas envie que... on laisse la nation, le drapeau tricolore, la Marseillaise, le patriotisme à l'extrême droite. Je pense que ces termes-là, ces concepts-là, ces idées-là, elles appartiennent à tout le monde, à tous les citoyens, à la gauche comme à la droite, et qu'il faut se les réapproprier, puis qu'il faut, voilà, et qu'il faut reconstruire du commun, je l'ai dit. Il faut qu'on se dise tous les jours qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous savez, il y a ce mot de Kennedy qui a été galvaudé, mais qui en même temps est... Pour moi, je le répète toujours à mes étudiants, parce que je trouve ça... Ne te demande pas chaque matin ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour lui. C'est ça, le commun. Et donc, c'est ça que j'ai envie de dire aux agriculteurs qui votent Le Pen, comme aux autres, d'ailleurs. Et comme, surtout comme aux dirigeants, voilà. Le commun, c'est... en Bretagne, ça vous parlera, même si vous n'êtes pas sur les terres. Le commun, c'est cette cérémonie magnifique des Sables d'Olonne, il y a 3 jours. On honore des sauveteurs en mer qui sont des bénévoles, des gens qui sont prêts à se lever le jour, la nuit. Je les connais, j'ai fait du sauvetage avec eux. Et c'est des gens magnifiques et c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est des bénévoles qui, je vous le dis, prennent sur leur temps, leur vie de famille, leur temps de loisirs, leurs vacances pour sauver des vies. C'est ça le commun. C'est le commun, ça. C'est bien mieux que le repli sur soi fondé sur des peurs ou des angoisses pour voter Le Pen ou n'importe quel autre populisme. Donc, voilà, je me laisse aller. J'ai complètement oublié l'agriculture pour parler de politique. Mais je vous assure que pour moi, c'est un sujet majeur qui de la société entière qui ne touche pas que l'agriculture. Il y en a des gros, des grands, des mecs, des riches, des pauvres, des gauches, des droites, des pourris, des honnêtes, des rigoureux, des travailleurs, des fainéants. Donc voilà, on peut dire les politiques. Voilà. La société et ses politiques qu'elle s'est librement choisie n'a pas été capable, c'est un sujet sur lequel jusqu'à maintenant on a totalement échoué. Voilà, ça c'est clair. Monsieur Lavarie, je prends dans l'ordre les mains levées. Moi je viens d'une association qui est Solidarité Paysans. Donc je voulais en parler un petit peu parce que c'est une association, il y a de moins en moins de paysans, mais malheureusement il y a de plus en plus d'appels à notre association pour aider les agriculteurs parce qu'ils ont des gros problèmes dans tous les jours. Bon, je ne sais pas, on essaie de solutionner, on essaie de les aider, mais bon, ben, c'est pas toujours possible. Il y a même, depuis quelques temps, on voit qu'il y a des agriculteurs qui ont 55 ans et qui s'arrêtent parce que bon, la situation n'est plus viable et qui préfèrent carrément... Mais en fait, autrement, je voulais vous poser une question. C'était en tant que ministre d'Agriculture, puis vous avez dit que vous étiez à Bruxelles à discuter des projets ou des lois et pour les mises aux normes. Je me demande, est-ce que c'était au niveau des mises aux normes sont faites au niveau de la France ou au niveau de l'Europe? Parce que je me rappelle, nous, on était producteurs de porc. Mises aux normes des bâtiments d'élevage. Oui. Parce qu'on était producteurs de porc et en Bretagne, ben, on était assez à cheval parce qu'il y avait des problèmes de nitrate et bon, c'était assez poussé. Et puis on a été visiter en Espagne et le lisier, là-bas, ils le mettent dans des potées. Alors on se demandait pourquoi il y avait ces normes-là. Et c'était en 2000-2003, donc vous devez connaître le problème. Je connais le problème parce que je m'arrive souvent de franchir les Pyrénées, parce que j'habite au pied des Pyrénées. Et c'est un problème que les éleveurs... pyrénéens nous posent ces bâtiments. C'est des normes européennes que les Espagnols ne respectaient pas, mais ils sont pris amende sur amende et ça va rentrer dans l'ordre. Mais ils ont eu beaucoup de retard à l'allumage et c'en était très choquant, et vous avez raison. Non, parce que c'était dans la région de Saragosse et en fin de compte, ils disaient qu'ils n'avaient pas de normes créatives. Mais je connais cette histoire par cœur. Qui avait main levée, ouais, monsieur. Ouais, vous avez très peu parlé des pesticides. On sait aujourd'hui que c'est un peu un scandale sanitaire demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais j'ai dit si, j'en ai peu parlé parce que j'ai parlé de la réduction des intrants en général. Voilà, j'ai la conviction que vous savez,
je suis pas, même si je suis docteur en économie urbaine, je suis pas un vrai scientifique. L'économie est une science pas juste, mais j'ai un peu de culture scientifique et je regarde de très près toutes ces publications qui montrent qu'au fond, beaucoup de maladies des temps modernes, le cancer, à commencer par le cancer, sont les fruits qui ravagent quand même l'ensemble de nos sociétés développées, et de nos régions et de nos familles, etc. Que ce cancer, il vient de la dégradation considérable de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on avale, de ce qu'on fume, etc. etc. Et donc c'est des maladies des temps modernes qui ravagent tout sur leur passage, dans lequel, évidemment, les productions chimiques qui aspergent nos sols et aspergent nos cultures et rentrent dans nos sols ont un rôle considérable. J'ai pas de doute là-dessus. Donc simplement, pour reprendre un peu ce que disait cet agriculteur producteur laitier, le passage, il peut pas se faire du jour au lendemain, voilà, parce que c'est une économie qui est fragile et qu'elle a besoin de prendre des virages comme un bateau. Un gros paquebot dans le rail descend, il ne fait pas un demi-tour en un mille ou deux. Il est sur son air, et c'est des économies qui sont très lourdes. Et raison de plus pour le prendre le plus vite possible, je veux dire le plus énergiquement possible, mais sans imaginer que... Donc ce pli se prend, pas seulement chez les producteurs laitiers, mais dans l'ensemble de l'agriculture, mais avec plus ou moins d'enthousiasme, plus ou moins de retard dans certaines productions. Et j'attends du ministre de l'Agriculture français actuel, que je connais bien parce qu'il a été à mon cabinet pendant 4 ans, donc j'attends qu'il soit un peu plus volontariste sur le sujet, je lui ai dit d'ailleurs. Ce qui n'empêche que la consommation a augmenté de 6% sur les dernières années. Je ne suis pas sûr de ça. Si, la matière active, l'augmentation de la matière active est là au terme de 6%. Alors, oui. Je ne connaissais pas cette statistique, mais si c'est vrai, ça veut dire que l'urgence est encore plus grande, donc il faut être plus énergique encore. Oui, au premier rang, nous arrivons. Moi, je voulais parler juste du Brexit, puisqu'on parlait de l'Europe, de l'agriculture, et on sait que le Royaume-Uni, au niveau agricole, n'a pas beaucoup de production. Et quand on voit M. Trump essayer de recréer un marché avec le Royaume-Uni, que vous mangez les Anglais. En plus, il y a des barrières douanières qui sont installées. Mais on paye le prix fort. Vous savez quel est le... Vous imaginez, dans un territoire rural, on sait ça, une des primes PAC la plus importante des agriculteurs anglais, c'est la famille royale. Ce sont des propriétés partout. Sur le Brexit, moi j'ai un point de vue, alors là, pas original, mais si, un peu, quand même. Je m'en fous que les Anglais sont... Voilà. Je suis gaulliste. De Gaulle, il avait raison quand il disait qu'ils n'ont rien à foutre en Anglais. Il le disait, qu'il a fallu que De Gaulle quitte le pouvoir et que Pompidou lâche la bride aux négociateurs pour que... Voilà, ça s'est passé comme ça. De Gaulle, un jour, Winston Churchill lui avait dit clairement... quand ça s'entraîne entre l'Europe et le large, l'Angleterre choisira toujours le large. Sur ces bases-là, De Gaulle a dit « Bon, bah, vous ne serez jamais en Europe ». Et voilà, et De Gaulle ne voulait pas. Et moi, je pense que ça, et que nous n'avons cessé de... Mais alors, vraiment, c'est une prise de position très, très personnelle. Donc, j'appartiens qu'un groupe, qu'un parti ou qu'un gouvernement. Donc, je peux me permettre ce soir le renom de dire ça. Mais franchement, depuis qu'ils sont dans... On n'a pas arrêté de s'emmerder avec eux. Un pied dehors, un pied dedans, à vouloir blâmer le beurre et l'argent du beurre. Jamais vraiment. Ils seront jamais européens. Donc cultivons notre amitié avec eux. Développons des projets avec eux, notamment en matière de défense, ça me paraît très important. Tout ce qu'on pourra. Mais c'est pas grave, ils sont pas dehors. De toute façon, quand ils sont dedans, ils ne cessent de nous emmerder. Donc... Ma position est très hétérodoxe et je vous demande humblement de ne pas la répéter. Je sais que ça restera entre nous. Et chez moi, énormément aussi. Ils achètent des villages entiers. Mais ils sont les bienvenus. Au Super U de Maubourguet, où je fais mes courses, il y a un rayon épicerie anglaise. Donc, ici aussi. Voilà. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué la création du deuxième pilier de la PAC.
qui a permis à un certain nombre de territoires de mener des projets de développement ruraux. Ici, en Centre-Bretagne, comme chez vous, on a pu bénéficier à plusieurs reprises des programmes européens leaders. Et donc, on s'aperçoit qu'à chaque négociation de la PAC, est remise en cause sans doute par ceux qui veulent absolument avoir davantage d'argent sur le premier pilier, les montants alloués au deuxième pilier. Et donc, effectivement, je crois que c'est important qu'on puisse défendre le fait qu'il y ait des moyens mis dans le deuxième pilier, parce que c'est ce qui permet à nos territoires ruraux de pouvoir au moins imaginer des communs, comme ça a été indiqué, mais aussi comment on peut s'organiser pour garder un certain nombre de services à la population et de services publics. Vous êtes élu local ? Je l'ai été. Je pense que c'est important qu'on puisse collectivement faire remonter le fait qu'il est important de garder des moyens. On a vu au cours de la dernière négociation, notamment au niveau de la France, passer les aides à l'installation des agriculteurs dans le deuxième pilier. Il y a eu un petit peu de moyens qui ont été alloués en plus, mais on s'aperçoit que petit à petit, il y a bien en permanence ce conflit entre aide directe et moyens alloués pour le développement rural. Et je crois que vous avez une expérience, notamment sur un certain nombre de services publics, notamment pour essayer de réfléchir de la novation. Il me semble me souvenir que vous aviez signé sur votre territoire des conventions avec la Poste pour qu'elle puisse apporter un certain nombre de services sur les communes rurales. C'était, je suppose, il y a une dizaine d'années. 15 ans. Ou peut-être plus. Aujourd'hui, où est-ce que ça en est, cette convention, et quels en ont été les éléments que vous avez pu tirer, positifs comme éventuellement difficiles à mettre en œuvre? Vous êtes une observatrice attentive du développement rural. Leaders, ce sont des projets, c'est-à-dire liaison entre des actions de développement économique rural. C'est les projets du deuxième pilier de la PAC qui effectivement permettent de mener des actions dans le monde rural profond pour faire vivre les services publics. Et nous, on avait un problème de la Poste, c'était, comme partout en France, hein, dans le monde rural, un problème à la fois de méthode, de fond et de créativité, de méthode, parce que la Poste se croyait tout permis, sur le fermer un bureau de poste un peu comme... Le nouveau ministre de l'Éducation, M. Blanquer, se remettait à fermer des écoles rurales jusqu'à ce que la conférence de presse du président de la République le bloque dans ses mauvaises actions. Ce qui est une très bonne nouvelle, hein, parce qu'on sauve des écoles de nouveau. Et donc la Poste, elle faisait comme ça, comme certains services publics, elle fermait un bureau de poste du jour au lendemain, sans consulter les élus concernés, sans mettre en place une concertation, sans mettre en place des solutions articulées. On a un vrai problème de méthode. Donc on a. Dans la convention, on leur a dit « Maintenant, vous ne faites plus rien sans nous demander notre avis, et sinon, on se fâche. » Donc, il y avait un processus de travail en commun dans lequel il y avait des itérations. Parce que moi aussi, je disais à des élus qui étaient propriétaires d'un bureau de poste, j'ai dit « Écoute, dans un village de 200 habitants, j'ai dit « Tu excuseras, mais si ton activité baisse dans ton bureau de poste, je peux t'expliquer pourquoi, parce qu'il est noir, il est sombre, il n'a pas été peint depuis des années, il y a trois marches, les handicapés ne peuvent pas y aller, etc. » Donc on avait une responsabilité à prendre. Donc tu as un problème de concertation et d'échange. Ensuite, il y avait le rétrécissement, c'est-à-dire d'un réseau, on a dit « regardons les solutions alternatives à ce terme. » Donc on a regardé ensemble, dans la concertation, la création des agences postales communales. Honnêtement, ça fait débat, notamment dans les élus, et notamment au sein des élus de gauche qui pensaient que les agences postales communales étaient un retrait par rapport au service public. Sincèrement, partout où on l'a fait, ça a vachement mieux marché. Et donc, moi, j'étais dubitatif, mais les agences postales communales qui consistent à dire « La Poste ferme son bureau de vote ». Son bureau de vote. Des formations professionnelles anciennes. Ferme son bureau de poste. Mais... donne des moyens forfaitaires pour payer un emploi pour que la commune accueille une agence postale communale dans sa mairie qui devient, ou dans un bâtiment municipal qui devient. Et cette personne qui est payée à la poste peut faire autre chose pour la mairie quand il n'y a pas de clients dans le poste derrière la poste. Ça marche très bien. Donc
Et ça maintient un réseau de présence postale qui ne serait pas resté si on avait fermé les bureaux de poste, comme c'était parti. Comme ça. Et troisièmement, on leur a dit, mais bon, ne nous arrêtons pas là, voyons ce qu'on peut faire comme création de services nouveaux. Et on a imaginé, on a fait une expérience qui a duré 2 ou 3 ans, qu'on s'est à dire, on va repérer avec l'aide des services sociaux du conseil départemental les personnes âgées isolées, et on va donner un mandat au bureau de poste, même s'il n'a pas, au postier qui fait son circuit de distribution, même s'il n'a pas de lettre à mettre dans la boîte postale de cette personne, de s'y arrêter tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, en disant pour sonner, pour non, ça va, vous avez besoin de rien, etc. Et puis un service accessoire qui était de dire, quand vous avez besoin de médicaments, donnez-nous à l'ordonnance et je vous les livrerai le lendemain, ou quelque chose comme ça. On a fait ça, c'était pas simple à faire parce qu'il fallait trouver des financements, Leader pouvait nous y aider, il faut trouver des financements nationaux parce que les financements européens, c'est des cofinancements avec des financements nationaux. Et après, la Poste a pris le relais. Maintenant, je la vois imaginer des choses et proposer des services qu'elle ne proposait pas du tout et je pense que les nouveaux responsables de la Poste, maintenant, c'est pas gagné encore, mais là aussi, le pli est pris, ça vient doucement, et ils diversifient leurs activités, et que ça prend beaucoup mieux en compte la réalité du service public dans le monde rural. C'est la question de la ruralité est une question d'approche. Si on ne sort pas de la logique purement quantitative, à chaque fois que vous avez une discussion avec des hauts fonctionnaires de Bercy, à fortiori même, je me souviens m'être engueulé comme du poisson pourri dans une réunion, pourtant sous un ministre socialiste de l'éducation, que je ne citerai pas, mais avec ces hauts fonctionnaires, parce que je leur disais que la politique de restriction de postes dans le monde rural était contraire au beau discours qu'ils faisaient sur la réalité. Et ils me répondaient avec une obsession presque maniaque et perverse, la Seine-Saint-Denis. Nous devons veiller à la Seine-Saint-Denis. Je me suis dit, mais attendez, je ne suis pas un élu de la Seine-Saint-Denis. Faites que l'État fasse son devoir avec la Seine-Saint-Denis. Et je l'appuierai, je voterai dans l'hémicycle toutes les surcroîts de moyens que vous donnerez à la Seine-Saint-Denis et à d'autres départements de la Seine-Saint-Denis qui ont des accumulations de populations en difficulté, évidemment. Mais tant que vous raisonnerez pour le rural comme en Seine-Saint-Denis, vous serez à côté de la plaque. Et je leur ai dit, je vais vous faire une interrogation écrite. Prenez vos stylos, les 4 directeurs de ministère de l'Éducation nationale en face de moi. Dites-moi combien il y a d'écoles en Seine-Saint-Denis, de communes en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'école. Alors, ils me regardaient, notez sur votre feuille, 0, c'est pas compliqué, il y en a 0. Je vous dis le nombre de communes dans les Hautes-Pyrénées, on est le département qui a le rapport de petites communes plus grand par rapport à la population, on a 474 communes pour 200 000 habitants. Et j'ai dit, voilà, je dis, combien de communes n'ont pas de... On est à 55% de communes qui n'ont pas d'école. Donc ça n'a aucun rapport. Combien il y a de classes uniques en Seine-Saint-Denis? Je dis, il y en a 0. Non, bien sûr, mettez 0 sur votre copie. Combien il y en a dans les Hautes-Pyrénées? Je leur donne les chiffres, je ne sais plus combien il y avait. Il en restait quelques dizaines, quand même, de classes uniques. Très bien. Quel est le temps moyen de transport un élève en Seine-Saint-Denis pour aller à son école? Quelques minutes. Il y a très peu de transports scolaires, quelques minutes à pied ou des fois en bus. Ça va jusqu'à 1 heure chez nous. J'ai besoin de descendre dans les villages de montagne pour descendre, etc. Ça fait 2 heures par jour de transport, etc. Combien de RPI donc vous comparez des choses qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. C'est pas les mêmes structures sociales, c'est pas les mêmes populations, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas les mêmes géographies. Et donc vous dites, vous appliquez là-dessus vos quotas prof devant élève. On est mort. C'est pareil pour la Poste. Ils ont besoin d'ouvrir des bureaux de poste dans des quartiers, dans des cités de banlieue. Mais je comprends très bien. Faites-le. Mais ne dites pas qu'il faut. Voilà, c'est pareil. Parce que la fréquentation de ce bureau de poste en monde. Mais oui, mais. Voilà, on ferme l'école, le bureau de poste, la mienne, etc. Qu'est-ce qui reste? Non. C'est un combat de tous les jours. Pour l'école, pour la classe, pour la poste, etc. Et maintenant, on a le combat pour qu'on vienne faire le Wi-Fi. Moi, j'habite. Des fois, je ne peux pas travailler chez moi parce que je n'ai pas de Wi-Fi dans les Hautes-Pyrénées. Dans un monde. Voilà. Dans le monde dans lequel nous vivons, j'ai pas d'internet chez moi pendant des heures. Bon. Je ne me plains pas parce que je peux me débrouiller autrement plusieurs jours par semaine, mais pour faire du développement
économique dans le monde rural si on n'a pas les services publics et les réseaux de communication minimum. Voilà, donc c'est, il faut sortir de la logique. Il faut que la politique rurale repose sur des critères ruraux et pas sur des critères urbains. C'est un docteur en économie urbaine qui vous le dit. Il faut que ça repose sur des critères ruraux. Voilà, pas voilà. Donc ça, c'est un combat de tous les jours. Donc c'est pour ça que votre témoignage sur les leaders est très important. Et c'est un combat de tous les jours, y compris dans l'évolution du premier et du deuxième pilier. Parce que pour aller très vite, parce que j'ai parlé déjà beaucoup, là aussi, c'est inexorable. Donc, et ça a commencé d'ailleurs, dans le poids budgétaire des aides directes commence à s'éroder. C'est très bien. Et celui du deuxième pilier commence à progresser. Et donc évidemment, la tentation, c'est de dire, c'est de la FNSL, ben, c'est de faire ripper d'un pilier vers l'autre un certain nombre de... Il faut être vigilant, il faut se battre, c'est un combat. Mais je pense que là aussi, c'est très inexorable avec ce pilier-prix, ce pilier-prix qui ira en s'améliorant. Pas tout de suite, mais c'est un plaisir de passer ce moment. Merci. De remercier Jean-Louis Lavalle. Je voudrais juste signaler pour Laura que cette saison est finie pour les conférences, mais que nous avons un voyage à l'île de Bâle le 30 juin et on est déjà 30 inscrits, il reste une dizaine de places dans le cadre. Si le cœur vous en dit, une journée à l'île de Bâle le 30 juin. Voilà. On peut s'inscrire au public de Bâle. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.